soir de ta plénitude. Remplis. Toujours prêt. T'as œuvré au succès des programmes de l'Église par la prière, peu importe le lieu. L'équipe d'intercession était déjà installée à la maison de prière d'Abidjan pour toutes les nations, Sisaatikwa, depuis le 30 décembre. Une équipe coordonnée par Bernadette Traillé, déléguée en la matière par le pasteur Colette Meunier, missionnaire numéro 2 de la CMCI Côte d'Ivoire, chargée de la conquête par la prière. Priez 24 heures sur 24 pour chaque aspect du Festival de louanges et d'action de grâce du 31 décembre 2023 est le but de leur présence. Aujourd'hui, nous sommes à Tiokwa. Nous sommes arrivés depuis hier. La chaîne a commencé à Tiokwa aussi hier à partir de 8 heures. Et les équipes sont passées heure après heure. Toutes les heures, depuis 8 heures jusqu'à 7 heures, ont été couvertes dans la prière. Nous prions pour tous les aspects. D'abord, l'orateur principal, qui est le pasteur Meunier, nous avons prié pour qu'il prenne une retraite avant les grands événements de l'année. Nous avons aussi prié que le Seigneur nous donne la parole, le message de l'année. Une parole pour le peuple de Dieu qui est venu. Nous avons aussi prié pour que le Seigneur protège les différentes délégations qui sont en déplacement. Qu'est-ce qu'ils sont en train de venir? Nous avons prié pour que Dieu, dans son amour, permette que les frères viennent avec de grandes attentes pour que le Seigneur se glorifie davantage. Nous avons prié pour les semeurs. Nous avons prié pour la sécurité du site. Nous avons prié pour la sono, l'aspect logistique. Nous avons prié pour tout ce qui touche le 31 décembre pour que ce soit un succès. Nous avons prié pour que les invités viennent massivement, qu'ils répondent à l'appel de Dieu, qu'ils se donnent, qu'ils intègrent nos assemblées. La protection, le ministère de la parole du pasteur Boniface Meunier, leader de la CMCI Côte d'Ivoire, les âmes gagnées, l'édification des invités et des frères sont en quelques lignes les fardeaux qui ont été portés par cette équipe. Considérant la place primordiale de la prière, le pasteur Bernadette Traillé a lancé un appel à tous ceux qui veulent voir les desseins de Dieu s'accomplir, de se tenir à la brèche avec elle. Mais ce sont les intercesseurs qui poussent les miracles de Dieu. Alléluia. Donc, nous invitons que l'année prochaine, la prochaine fois qu'il y a une rencontre à Tiokwa, la maison de prière est ouverte et les soeurs peuvent passer, les frères peuvent passer, les enfants peuvent passer, les personnes âgées peuvent passer pour venir prier pour le ministère, pour l'impact du ministère, pour que Dieu soit davantage glorifié. Amen.